Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est parti. Alors normalement bon c'est la suite du Dofus des Glaces, effectivement j'avais dit que je referais plus vraiment de vidéos de quête. Mais étant donné que bon, je dois faire le donjon, ou du moins je dois me rendre à la salle 3 pour récolter une certaine ressource, du miel. Et donc bah, j'avais déjà une sauvegarde en fait au boss. Et je me suis rappelé bah, en fait que j'avais pas fait le succès score de 100 lorsque je vous ai proposé la vidéo où j'ai explosé. Il faut le savoir pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, j'ai explosé le lourd céleste. Je l'avais claqué je crois une colère de Yop à moins 13 000. Et donc c'est vrai que bon j'aurais pu faire le score de 100 mais du coup c'est pas grave. Finalement bah, je vais le faire aujourd'hui devant vous. Je me suis dit allez pourquoi pas vous filmer ça. Sachant que normalement, je dis bien normalement, demain vous aurez le droit à du donjon Frigos 3, parce que là je suis vraiment tout au bout du Dofus des Glaces, donc normalement demain, enfin du moins dans les prochains jours c'est sûr, il y aura des donjons Frigos 3 à 8, et là je peux vous assurer, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que Frigos 3 c'est vraiment mon donjon préféré, mes donjons préférés, ça j'en parle souvent mais vraiment c'est ce que Ankama a fait de mieux, si je puis dire, dans tout Dofus, c'est Frigos. Bon allez c'est parti, je place la team. Hein. Le problème c'est qu'elle est là avec les idoles, avec le Zinamo, je pense qu'il aura peut-être... J'ai peur qu'il me touche. Je sais pas du tout s'il va me toucher le... Du coup, score de 100. Voilà, c'est juste cette vidéo, c'est juste un score de 100. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il m'a touché. Et ça m'arrange pas. Hein. Est-ce que je stab? C'est qui? C'est le Kra? Non, c'est juste le Kra, alors ça va. Je vais pas le stab. Donc, score de 100. Voilà la compo, hein, c'est du Yosh. Vraiment très très classique. Il faut que je tue le Gourmand en premier parce que les dommages de poussée me one-shot. Et puis c'est tout. Mon Zobal, il va sans doute... Ouais, non, je sais pas si je pourrais. Bref, allez. Le but, là, ça va être de focus. Je vais vous montrer, hein, tout simplement, qui focus. Le Meli, vu qu'il a sacrifié, voilà. Donc, le Gourmand et le Meli, il faut les tuer de T1, quoi. En soi, les nuits, elle peut crever, je m'en fiche. C'est vrai que c'est un peu con de dire ça, encore que... Ouais, non, en fait, dans tous les cas, elle crève, parce que moi, je suis taclé par le Glour. Je vais quand même la tirer. Je me donne des points de bouclier. Et puis c'est parti. Attention, attention, regardez. Vous voyez, ça c'est ce dont je vous avais parlé. Mais bon, là ça va. Il n'y a pas ta faute. De toute façon, Gourmand, vous me direz. Voilà, j'ai rempart au moins. Mon Yop, il est où mon Yop? En fait, là, il faut vraiment que je tue, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué à cause du Glour. Parce que le Glour, bah, il m'a vraiment mis dans le mal, déjà. Enfin, c'est juste qu'il m'a surtout fait... Il m'a fait chier, quoi, on peut le dire, il m'a fait chier. Parce que mon Yop, il aurait pas dû faire ça, quoi. Bah là, c'est simple, là, il faut que je tue le Meli, hein. Faut que je tue le plus rapidement possible. Je crit pas, hein. Bah non, évidemment. Ça sert à rien de crit. Pourquoi crit quand on peut ne pas crit? La véritable question, elle est là. Je pense qu'en fait, on va... Je sais pas, là, honnêtement, j'ai limite envie d'abandonner. Ou faire une retraite anticipée, parce que franchement... Quel est l'intérêt, quoi, bref. T1, je tue personne, c'est d'un pathétisme. Enfin, bref. Bon, du coup, je l'ai mis en résumé, mais bon, c'est juste un tour, donc ça va, en vrai. Faudrait quand même que je le dégage. Ça c'est cool lui, je peux le taper. Vous avez vu les dégâts quoi. Du coup, ça je peux faire ça.
Et bah voilà. Comme quoi, vous voyez, la retraite anticipée, je pense, je l'ai jamais fait, hein, la retraite anticipée, je joue jamais retraite anticipée. Parce que du coup, après le glour, il est en état résumé, mais là, honnêtement, a été extrêmement utile. On va booster ça. Là, le but, ça va être vraiment de faire le ménage, hein, c'est aussi simple que ça. Bah, en fait, il faudrait que je tue, si possible. Bon, j'ai fait quelques dégâts. Enfin, quelques dégâts, MDR. Donc voilà, la retraite, du coup, c'est bon, c'est parfait. Et là, bah, du coup, on va pouvoir taper. Je vais même pouvoir booster Diop, je pense. Alors, normalement, le boss, il réinvoque pas. Hein. Normalement, c'est que un tour, vous voyez. J'ai fait retraite anticipée, mais il a rien fait, donc ça va. Attention au Glouragan qui peut... Bon, non, il y a vraiment moyen de le rendre dingue, le Glouragan. Et pour le rendre dingue, il suffit de mettre un Wasta. C'est le Glouragan, il... D'accord, il tacle pas du tout. À la limite, j'espère juste qu'il va pas taper le Glour, parce que s'il tape le Glour, c'est là que ça va... qu'il y aura des petits soucis, quoi. Mais sinon, je crains rien, parce que bah, je l'ai pas tapé. Ah, c'est bon, non, en fait, il est un peu... Ok, sinon je crains rien. Ouais, bah c'est bon, vous voyez. Hop. Vous voyez, le score de 100, franchement, il n'y a rien de compliqué. Faut savoir que la dernière fois, j'ai pas dit que c'était compliqué. Hein. Il y a des abonnés qui ont mal compris. Qui pensaient que j'avais dit ça, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. J'avais juste dit que j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit par rapport au score de 100. Ok, bon. J'ai besoin de soins sur mon Yop et sur mon Kra. Et bien voilà du soin. Attention quand même à la périglour, je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que je l'ai tapé avec quelqu'un à distance? Parce que j'ai bien peur de ne pas le finir. Hein. Vraiment, je peux quand même commencer... Et je peux le commencer parce que je sais que je pourrais le finir. Mais voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Je crois que je l'avais tapé à distance. Regardez les dégâts qu'il m'a fait. C'est quand même n'importe quoi. C'est sur qui en plus? C'est sur la F4. Donc vaut mieux la protéger, la F4. Alors là, c'est le tour du Glour. Bon, le Glour, comme vous connaissez, enfin, je suppose. Le Glour, c'est simple. Hein. Le Glour, il est pas si fort que ça, quoi. Là, vous voyez, les petits dégâts. Bon, on était 4, on met un peu plus de temps, hein, ça c'est sûr. J'ai même les boubous, là, vous voyez, j'aurais dû claquer le petit plastron, mais bon, on va attendre tranquillement. J'ai la coco ou pas? Je crois que je l'avais même pas préparé. En vrai, j'aimerais bien jouer avec les murs de bombes, mais bon, il faudrait que je sois sûr de le tuer, et du coup, ça me fait un peu flipper. Je pense pas en fait, je pense pas. Je pense... Est-ce que je... Franchement j'ai même pas besoin de la jouer Coco. Encore que ouais, il a quand même pas mal de points de vie, je pense finalement on va la jouer tranquillement avec la Coco. Est-ce que vous voulez voir une autre Coco full boostée ou... Bon du coup là je le debuff. Je peux le stab. Parce qu'en vrai j'ai envie de placer ma team là. Il me faut des points de bouclier sur tout le monde. Ok, donc là tout le monde aura des points de bouclier. Vous voyez, ça c'est tellement cool quand vous jouez Panda The Ball. C'est qu'après, bah regardez, vous pouvez vraiment donner des points de bouclier à tout le monde quoi. C'est pour ça que même le place, même l'initiative est vraiment super important quoi. Jouer le Panda avant le The Ball et même le Feka juste après pour ensuite redonner des points de bouclier. Donc tout ça c'est vraiment hyper important. Là je me booste, etc. Vous voyez, c'est parfait. J'ai la coco quand? Non, pas le tour là. Non, j'ai l'épée à prochain. On va donner du Rox au Yop et au Kra. Le Kra, bah dommage hein, qu'il n'a pas ses boosts, qu'il aura ses boosts seulement au prochain tour. Moi, je vais faire ça.
Je vais chance le yop. Oh mince, j'aurai pas la stab au prochain. Bon. Je vais redebuff. Re-W-Vu. Puis c'est parti. Mon yop, il est... Ouais. Hop, on va faire ça. Ok, bon. Donc avec mon yop, je vais mes puissances. Je vais AQ. Voilà. Et là, je vais commencer à full booster le yop, là, avec des flammiches du futur. Lenny va sûrement me booster aussi. Ouais. Donc je vais commencer, enfin ouais, MDR, je vais le commencer au prochain. Vous savez quoi, au pire, est-ce que je boosterai pas le yop? Je vais faire comme... Ouais, allez, on va full booster le yop. Oh là là, mais regardez, avec les raccourcis sort, quoi, c'est abusé. Bref, bon bah du coup, j'ai pas la stab. Mais après, en vrai, c'est pas grave. Vous voyez, là, c'est pas dramatique. Faut juste que je décale mes persos. Je revu, même si je sais que j'ai déjà vu. Ah bah voilà, vous voyez là, il y a des crits qui sont passés. Par contre, vous voyez, ça c'est vraiment d'une absurdité. Bon, je vais booster le yop, mais il est d'une absurdité vraiment le Wasta. Bah, en fait, faut surtout pas qu'il fasse ça quoi. Le Wasta il est froid, enfin bref. Normalement, bah oui, pourquoi est-ce que je ferais le... Ouais, hop. Bon, mon yop, normalement, le fini, hein, donc je sais pas pourquoi je stresse comme ça. Enfin, je stresse pas, mais pourquoi est-ce que je fais des petits caprices? Et une coco à 12 000, bon. C'est pas incroyable. Mais on va dire que c'est suffisant, donc en fait... Bon, je vous ai montré. Au final, c'est exactement ce que je vous avais montré, mais c'est en score de 100. Et du coup, là, bah là, on a le score de 100. Vous pouvez voir que l'XP est quand même pas dégueulasse. Hein. Le boss, là, je viens de le faire en 10 minutes. L'XP est pas dégueulasse. Hein. Je viens de prendre du 30 millions d'XP. Bon, je suis en 90% guild. Hein. C'est pour ça que j'ai pris 3 millions. D'ailleurs, je vais prendre un petit screen. Voilà. Donc voilà les gars, voilà, bon c'était une petite vidéo. On va dire que ça, bon niveau difficulté là, il y avait vraiment pas grand chose. Mais c'est un avant-goût de ce qui vous attend, enfin ce qui m'attend moi, mais surtout vous en tant que visionneur, si je puis dire, en tant qu'abonné, hein, qui vont sûrement regarder les vidéos Donjon Free Ghost 3 à 8. Ça c'est un petit avant-goût, voilà, avec le score de 100, ça redonne un petit peu de difficulté. Sur ce les gars, bah écoutez, moi je dois refaire le donjon, je dois aller jusqu'à la salle 3 parce que je dois récolter du miel pour la suite du Dofus des Glaces. Sur ce les gars, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Oh non, en plus je dois refaire le chemin. Bon, et bien voilà, sur ce les gars, ciao, bye bye.